10 habitudes qu'ont les personnes à succès. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes que la plupart des personnes, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, même des sportifs ou de grands cadres d'entreprise, ont et qui leur permettent de faire la différence. C'est une vidéo qui va sûrement te parler et où tu vas vraiment pouvoir prendre et voire même implémenter ces habitudes-là pour avoir un impact significatif dans tes résultats, que ce soit d'un point de vue d'état d'esprit, d'un point de vue même de santé et surtout d'un point de vue financier. Mais avant de commencer, moi je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube car on est la première chaîne au Canada francophone à parler d'investissement immobilier, de finances personnelles et de développement personnel. On a également pour challenge de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, si tu veux également nous aider à grandir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo, la partager et surtout laisser un commentaire. Et comme je te l'ai dit, je vais te partager 10 habitudes qu'ont les entrepreneurs ou les investisseurs à succès. Et crois-moi que la dernière habitude va faire la différence. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, quelles sont les 10 habitudes des personnes à succès? Donc, la première habitude que la plupart des personnes à succès ont, c'est tout simplement le fait d'être responsable. C'est-à-dire de se dire lors d'une situation, quel que soit le résultat que j'ai, quelle que soit la chose qui m'arrive, je suis 100% responsable de mes décisions. Et ça, c'est très important parce que tu as beaucoup de personnes qui, face à une situation, face à un problème, vont rejeter la faute sur les autres. En fait, ils vont dire que non, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Quand tu vas voir des entrepreneurs, quand tu vas voir des investisseurs, quand tu vas voir des personnes responsables, ils vont toujours te dire que voilà, si aujourd'hui j'ai cette situation, si aujourd'hui il m'arrive cette chose-là, c'est 100% de ma faute. Je vais faire une vidéo où je vais te raconter comment j'ai perdu quasiment 150 000 $ en investissement. Et tu vois, j'aurais très bien pu dire oui, c'est la faute de tel, oui, c'est la faute de tel. Mais tu vois, je me suis dit, ok, moi j'ai pris ces décisions-là, j'assume mes responsabilités et bien évidemment, j'en tire également des leçons parce que au-delà d'avoir perdu de l'argent, ben, j'ai également appris d'autres choses qui m'ont fait gagner encore plus d'argent. La deuxième habitude que les personnes à succès ont, c'est de croire que c'est possible en fait. C'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit face à des opportunités, face à des choses, face à des situations, face même à des opinions. Parce que beaucoup de personnes, quand tu vas leur dire que ben, par exemple, c'est possible d'investir en immobilier et de générer des revenus passifs, quand tu vas leur dire que ben, c'est possible par exemple ben, de gagner sa vie grâce au métier du digital, peu importe le domaine d'activité, ces personnes-là vont te dire que ce n'est pas possible en fait, ou ne vont pas y croire. Et du moment où tu ne crois pas quelque chose, comme si tu as déjà perdu le combat en fait. Parce qu'en fait, lorsque tu crois quelque chose, ton cerveau te fait faire des actions qui vont à l'encontre de ça en fait. J'ai un exemple très simple. Par exemple, si demain je te dis voilà, c'est possible de gagner 100 €, 100 $ ou peu importe le montant tous les mois grâce à l'immobilier. Qui n'aimerait pas gagner ça tous les mois? Je suis sûr que toi également, tu souhaiterais gagner ce montant-là tous les mois. Si je dis qu'aujourd'hui, tu peux gagner 100 $ ou 100 € tous les mois en plus grâce à l'immobilier, ben, bien sûr, qui n'aimerait pas ça? Mais si toi, tu te dis direct que ce n'est pas possible, ben, tu n'auras jamais ce résultat-là, même si tu le veux. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, un esprit critique. C'est-à-dire c'est que quand quelqu'un va te dire que ok, c'est possible de faire ça, aussi fou que ce concept ne soit pour toi, même si ça paraît irréel, renseigne-toi quand même. C'est-à-dire, dis-toi, ok, peut-être cette personne a raison. Pour en avoir le cœur net, qu'est-ce que je vais faire, ce que je vais vérifier? Donc, tu peux aller vérifier ce que cette personne dit. Tu peux aller vérifier l'expérience de cette personne-là. Tu peux aller faire tes propres recherches, à parler à d'autres personnes qui sont potentiellement dans le même secteur que cette personne-là et qui vont également te donner un autre avis, en fait. Et le fait d'avoir plusieurs avis, le fait de comparer, ça va te permettre d'avoir un autre jugement au lieu de te braquer et de te dire non, c'est pas possible. Okay, donc ça c'est très important à avoir comme habitude également. Donc la troisième habitude que les personnes à succès ont, c'est tout simplement le fait de visualiser. C'est un peu comme du sport, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui si tu fais des pompes, tu vas avoir des pectoraux un peu plus gros. Si tu fais du cardio, ben, tu vas être un peu plus endurant. Si tu vas à la salle de sport, voilà, tu vas être en bonne santé, etc. C'est la même chose avec le cerveau, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui le plus tu vas visualiser les résultats que tu vas avoir, le plus tu vas y croire. Parce que ben, tu vas y penser tous les jours et le plus en fait, ben, tu vas mener des actions qui vont te rapprocher de cet objectif-là. Je te donne juste un exemple. Moi, pendant des années, récemment, j'ai eu ma fille, donc j'ai un peu perdu mes habitudes que j'avais en termes de rituel du matin. Pendant des années, je visualisais une maison à 1 million $. C'est-à-dire c'est que tous les matins, je me levais, je me disais, ok, je vais acheter une maison à 1 million $. Ok, je regardais des maisons à 1 million $. J'allais même visiter des maisons à 1 million $. Et aujourd'hui, j'en ai deux. J'en ai une que dont je suis en train de terminer la construction à Bali et j'en ai une autre que j'ai achetée il y a quelques mois. C'est le fait de m'être bourré le crâne en fait en pensant à ça, en me disant, en regardant ça, en me disant que non, je vais y arriver, je vais y arriver. Finalement, j'ai mené des actions qui m'ont permis d'arriver à ce résultat. Et crois-moi, ça a été beaucoup plus facile que s'en a l'air en fait. Le fait d'y penser, d'y croire et de le visualiser tous les jours. Donc tous les matins, je me répétais qu'il fallait que je fasse de quoi pour pouvoir avoir une maison à 1 million $. Et ça n'arrive pas, c'est pas une que j'en ai eu, c'est deux. Donc tu vois, c'est pour te dire que le fait de visualiser, ça fait également partie ben, de ton succès. Tout comme par exemple là, je te dis que ben, voilà, on a pour ambition d'être la première chaîne au Québec à dépasser les plus de 100 000 abonnés. C'est quelque chose que je visualise et c'est quelque chose que je répète même avec toi tous les jours lorsque je partage des vidéos.
parce que je te dis que voilà, on est la première chaîne francophone et on a pour objectif de dépasser les 100 000 abonnés. Donc c'est sûr que le fait de le répéter, tu me le répètes à toi-même, je te le répète à toi également, et ensemble on va pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc le fait de le visualiser, de te répéter ça, ça va également t'aider à avoir les résultats que tu souhaites obtenir. La quatrième habitude que les personnes à succès ont, c'est le fait d'agir comme s'ils ont déjà atteint l'objectif voulu. Et à ne pas confondre avec, je ne sais plus comment on dit en français, mais fake it until you make it. C'est de mentir sur ce que tu es et de faire comme si tu es déjà la personne, de te prétendre être quelqu'un que tu n'es pas en fait. Il ne faut pas confondre ça. En anglais, c'est act like you already made it. C'est-à-dire, c'est que tu agis comme si tu as déjà réussi en fait, tu vois. Et en fait, le fait d'agir comme si tu as déjà réussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu incarnes la personne que tu veux. C'est-à-dire, tu te comportes comme la personne que tu souhaites devenir en fait. Je te donne un exemple, c'est-à-dire, c'est que si tu veux être un investisseur, tu dois penser comme un investisseur. Si tu veux être un entrepreneur, tu dois agir comme un entrepreneur à succès. Même si tu ne l'es pas encore, c'est le fait d'agir de cette manière-là qui va te rapprocher de cet objectif-là. Je te donne un exemple. Les entrepreneurs à succès, c'est des personnes qui vont, par exemple, prendre soin de leur santé, prendre soin de leur hygiène de vie, etc. Donc, c'est sûr que même si tu n'es pas un entrepreneur à succès, le fait que tu prennes soin de ton hygiène de vie, ça va te rapprocher de cet objectif-là. Parce que si tu veux être un entrepreneur, ça te demande quand même une certaine hygiène de vie. Parce que si tu as une sale hygiène de vie, voilà, tu n'auras pas l'énergie pour travailler un certain nombre d'heures, tu n'auras pas la vivacité d'esprit de prendre des décisions rapidement, etc., etc. Donc, le fait d'agir comme si tu es déjà une personne à succès, ça va t'aider. Moi, par exemple, il y a des habitudes que moi j'ai prises. Même en termes d'expérience, tu vois, je te donne un exemple. Tu vas voir des personnes aller dans de beaux restaurants, aller dans de beaux magasins. Même le fait d'acheter quelque chose de cher qui peut être un peu au-dessus de tes moyens, le fait de le faire une fois, ça va te conditionner en fait. C'est-à-dire, imagine demain tu vas dans un restaurant, tu prends le plat le plus cher, tu vois. Pour une personne à succès, c'est peut-être normal de prendre le plat le plus cher, tu vois. Mais si toi tu n'es pas encore, le fait de prendre le plat le plus cher, ça va te permettre d'expérimenter ce que ça fait d'être une personne à succès sans l'être. Et ça va te donner envie parce que tu vas te dire que waouh, si seulement je pouvais aller au restaurant tous les jours et manger les plats les plus chers, ça serait formidable. Donc forcément, ça va te donner envie et ça va te motiver. Tu vois, là, j'ai pour objectif de m'acheter une très belle voiture. Tu découvriras ça plus tard. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai eu à louer des voitures d'une certaine gamme pour vivre l'expérience en me disant que ouais, putain, si j'ai une voiture comme ça, tous les jours, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois? Donc, tu peux vivre l'expérience d'une personne que tu aimerais être sans forcément l'être. Mais tu vois, ça va te motiver davantage à devenir cette personne-là. Parce que tu vas penser comme cette personne-là, ressentir les mêmes émotions que cette personne-là pendant un laps de temps. Et ce laps de temps-là, ça peut être par exemple de louer une voiture pendant une journée, ça peut être par exemple même aller dans un hôtel 5 étoiles, tu peux consommer un café. Mais juste le fait d'être dans cet environnement-là, de voir comment ça se passe, de voir un peu comment les personnes font, ça te mentalise d'une certaine manière en fait. Donc ça, c'est une bonne habitude que tu dois prendre. Moi, je le fais quasiment tous les deux mois. Tous les deux mois, je vais dans un endroit où je sais que là-bas, je vais être mystifié. Et je vais me dire, ok, moi, c'est ça que j'ai envie d'avoir dans mon quotidien. La cinquième habitude que les personnes à succès ont, c'est de payer le prix en fait. C'est de payer le prix, c'est-à-dire c'est que c'est des personnes qui savent que atteindre les objectifs qu'elles veulent, ça va demander un certain engagement en temps, en argent et même des fois au détriment de ta santé, mais de façon temporaire. C'est-à-dire c'est que tu vas devoir peut-être aller chercher de l'information, tu vas peut-être devoir faire des déplacements, tu vas peut-être devoir faire des sacrifices également, peut-être diminuer certaines dépenses pour peut-être mettre un peu plus d'argent de côté. Tu vas peut-être des fois devoir te coucher un peu plus tard. Tu vas peut-être des fois devoir un peu négliger ta santé parce que il faut que pendant un certain temps, tu concentres toute ton énergie, tu mets toute ton énergie par rapport à un projet. Et c'est là en fait où la différence se fait. Par exemple, moi, il y a ça quelques années, pendant longtemps, je me levais à 3h du matin. 3h du matin, tous les jours, pendant plusieurs mois, parce que j'avais des appels à faire en France pour des demandes de financement. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire que oui, il voyage, il a son immobilier, c'est cool et tout et tout. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut se lever à 3h du matin pendant des mois pour lever des fonds? Est-ce que c'est tout le monde qui peut, par exemple, depuis le 17 ans 2017, publier 3 vidéos par semaine non-stop, tu vois? Donc forcément, tu mets un effort de façon assez poussée pour te permettre d'avoir des résultats. Donc, il faut être capable de vouloir payer le prix, en fait, parce que rien n'est facile. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un qui a des résultats, peut-être tu vas le voir, il a l'air cool et tout, tu te dis, lui, il a de la chance, etc. Non, c'est-à-dire, c'est qu'à un moment, il y a eu un moment donné où cette personne-là s'est assise. Il s'est dit que là, il n'y a plus de plaisanterie, il faut que je passe, il faut que je mette les pleins gaz, il faut que je travaille à 200-300%, beaucoup, beaucoup plus que la moyenne. Et c'est là que la différence se fait. Heureusement, c'est quoi? C'est que ces personnes-là sont récompensées en fait. C'est pas dit que tu vas travailler toute ta vie pendant des heures, etc. Mais peut-être pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, tu vas travailler tellement fort que ça va te permettre de te libérer pour le reste de ta vie. Il faut vouloir payer le prix. Comme je l'ai dit, ça va être d'un point de vue financier. Donc oui, tu vas devoir dépenser de l'argent pour atteindre tes résultats. Tu vas devoir dépenser du temps et tu vas peut-être devoir user un peu ta santé de façon temporaire. Ça, je te le cache pas, c'est la vérité. La sixième habitude que les entrepreneurs à succès ont, c'est
de voir le côté positif des choses, même dans une situation difficile en fait. Et ça revient un peu avec les points que j'ai évoqués au début de cette vidéo. Ça dépend de la manière dont tu penses en fait. C'est-à-dire, s'il y a une situation que tu vois et que tu vois le côté négatif, ben tu vas penser négativement, forcément. Je te donne un exemple. Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont paniqué. Moi, le premier. En plus, j'étais à Montréal, confinement, t'es là, t'es enfermé pendant des mois. Tu te demandes ce qui se passe. Tu commences un peu à avoir des pensées un peu sombres, tu vois. Mais dans une situation comme celle-ci, ben, c'est là où j'avais discuté avec un de mes coachs. Il m'a dit, ben, comment tirer profit de cette situation en fait? Comment tirer profit de cette situation? Quel est le côté positif pour toi de cette situation? En fait, cette question-là, ça fait toute la différence. C'est là que je me suis mis à faire des lives, à lancer de nouveaux programmes et tout. Donc, j'étais enfermé dans ma chambre et j'étais vraiment hyper actif. Tu pourras voir des vidéos d'il y a peut-être 2 ans. Tu verras que toutes ces vidéos-là sont dans ma chambre, tu vois. Certes, c'était dans ma chambre, mais j'ai produit tellement de contenu que ça a permis de nous faire connaître à peut-être 20, 30 000 personnes de plus sur cette chaîne YouTube-là. Pourquoi? Parce que ben, je me suis dit, ok, on est dans une situation un peu sombre, un peu compliquée. Mais quel est le côté positif de cette situation? C'est que ben, je peux produire 10 fois plus de contenu pour que 10 fois plus de personnes puissent découvrir notre chaîne et potentiellement souscrire à nos produits et services. Et ça va dans tout. Hein. Ça peut être une maladie, ça peut être même potentiellement la perte d'un proche, même si ça fait mal, mais tu peux en tirer des leçons, de te dire que ben, peut-être ça peut te faire rendre compte que ben, si peut-être demain tu perds un proche, oui, c'est pas bien, mais la bonne leçon que tu peux tirer de ça, c'est de peut-être passer plus de temps avec tes proches en fait. Parce qu'on a toujours la tendance de dire que tu peux perdre un proche, tu vas te dire, ah, j'aurais dû passer plus de temps avec elle. Ben, dans ce cas, le fait que tu perdes ce proche-là va te faire comprendre que ben, passe davantage de temps avec les personnes qui restent en fait à côté de toi. Tu vois, donc, dans tous les cas, dans quelle que soit la situation, il faut toujours voir le côté positif. Et c'est le fait de voir le côté positif qui va te faire avancer en fait, tu vois. Parce qu'on passe énormément de temps à voir le côté négatif des choses, à se plaindre, à critiquer, à ceci, à cela. Je jure, j'ai des personnes qui m'ont déjà volé énormément d'argent. Genre, je me suis fait escroquer des montants, tu peux même pas imaginer. Mais j'en ai tiré de bonnes leçons. Je me suis dit, ok, j'aurais pu être là à vouloir combattre cette personne, à dire que oui, machin, ceci, cela. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, vas-y. Moi, maintenant, j'ai appris. Maintenant, ça me permet de mieux connaître les personnes et de savoir ben, qui est bon dans ce qu'il me dit, en fait, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de toi, de comment tu perçois les choses. La 7e habitude que les personnes à succès ont, c'est de tout le temps chercher à s'améliorer. C'est-à-dire, l'être humain qui stagne, l'être humain qui n'apprend rien, meurt, tu vois. C'est comme une entreprise. Aujourd'hui, tu es une entreprise. Tu investis dans toi pour avoir un certain retour sur investissement. Tu investis dans ta santé pour être en bonne santé. Tu investis dans tes connaissances pour avoir de meilleures connaissances. Tu investis ton argent pour avoir plus d'argent pour pouvoir mettre en sécurité ta famille. Donc, tu dois toujours être en progression. Une entreprise qui stagne, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu vas toujours voir, l'entreprise va peut-être descendre, après va monter après. Mais une entreprise qui fait comme ça, à un moment donné, elle va tomber, mais de façon très accentuée, tu vois. Genre, la chute va être vraiment prononcée. Donc, tu dois toujours être en quête d'amélioration. Ça passe par quoi? Ça passe par la prise de connaissances. Ça peut être des formations, ça peut être des livres, ça peut être des rencontres, ça peut être des expériences, ça peut être des voyages. Mais il faut toujours que tu découvres de nouvelles choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester toute une année et être la même personne en fait. Tu vas passer 12 mois de ta vie et au bout de 12 mois, tu n'as rien appris, tu n'as rencontré aucune nouvelle personne, tu n'as fait aucune progression dans tes finances. Donc, tu vas rester statique en fait. Et c'est même humainement, c'est impossible. Donc, soit tu montes, soit tu descends. Donc, le fait de toujours rester comme ça, en statu quo, c'est pas une bonne chose en fait. Et beaucoup de personnes font ça. C'est-à-dire, c'est que tu vas voir des personnes, quand tu vas être là en train de lire des livres, j'ai des amis comme ça, c'est-à-dire qu'ils me voient lire des livres, ils me voient aller à des conférences. Parce que, pourquoi tu fais tout ça en fait? Reste tranquille, fais ton travail et tout. Non. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, j'ai constamment besoin d'apprendre. Tu peux apprendre de l'expérience de quelqu'un. Le fait d'apprendre, ça te fait prendre de meilleures décisions. Ça va te donner une certaine clairvoyance, ça va te donner un certain état d'esprit. Ça te permet vraiment d'avancer, en fait. Donc, clairement, tu dois toujours chercher à t'améliorer. Ça peut être par une langue, par l'apprentissage d'une langue, même de la musique, peu importe. Parce que même des fois, la musique, si tu ne sais pas la musique, ça t'aide à être un meilleur leader. Le fait de jouer un instrument de musique, ça t'aide à être un meilleur leader, en fait. Parce qu'un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui bouge les foules, en fait. C'est-à-dire, il est capable de dire que, bon, on va dans cette direction-là. Le chanteur, c'est la même chose. Le musicien, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est que quelqu'un qui va jouer un instrument de musique, ça va attirer l'attention de centaines de milliers de personnes. Et ça peut les faire aller dans une certaine direction. Ça peut les faire avoir certaines émotions qui vont leur faire avoir certains types de résultats. Ou même des fois, prendre certaines décisions. Je donne l'exemple des chansons. Par exemple, moi, il y a certaines chansons que j'ai écoutées pendant un moment et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses en fait, ou ça m'a motivé peut-être dans certaines choses. Donc, tu vois, c'est pour te dire que même la musique, ça te permet de t'améliorer en tant que personne. Donc, tu dois constamment chercher à t'améliorer ou à améliorer tes compétences, peu importe le domaine dans lequel tu es. Donc, la 8e habitude que les personnes à succès ont, c'est tout simplement le fait d'avoir un mentor. Et ça, c'est vrai, c'est-à-dire avoir un mentor, c'est le fait de toujours prendre l'exemple sur quelqu'un. C'est-à-dire, ça peut être une ou plusieurs personnes. Et en fait, c'est pas genre tu vas avoir un mentor ou tu vas avoir un modèle. C'est comme un puzzle en fait.
Donc tu vas dire que ben, il a cet aspect que j'aime bien, ben, je vais apprendre ça de lui. Par exemple, lui, il sait très bien gérer son couple, son mariage, ça pète la forme et tout, et tout, et tout. Donc tu peux te rapprocher de cette personne pour lui demander, mais écoute, toi tu fais comment pour gérer ton couple, gérer tes enfants, etc. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a peut-être une situation financière moins bonne que la tienne, mais sur ce point-là, il te dépasse. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rapprocher de cette personne-là. Tu vas dire, écoute, comment tu fais pour bien éduquer tes enfants, bien gérer ton couple, etc. Ça peut être une autre personne qui, lui, par exemple, n'est pas en couple ou a des problèmes de couple même, mais sait très bien gérer ses finances. Donc, avec lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le voir pour dire, ben, écoute, explique-moi comment tu gères tes finances. Ça peut être quelqu'un qui a sagesse, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps calme, zen, il n'est pas là, il n'est pas là en train de se plaindre, il ne crie pas, etc. Et peut-être ça peut même être un SDF. Moi, j'ai déjà eu à discuter avec des SDF, mais tu les vois, ils ne se plaignent pas une seule seconde. Alors que nous, on est dans des maisons, on est là, on est bien habillé, etc. Mais on est tout le temps à se plaindre. Mais lui, il est là comme ça, tranquille. Il est assis dans la rue, il sourit. Alors que nous, des fois, on est là, on tire la tronche, tu vois. Donc, tu peux apprendre de cette personne-là. Tu peux lui dire, mais toi, tu fais comment tous les jours pour être là avec le sourire alors que tu dors dans la rue? C'est pour te dire qu'en fait, tu peux apprendre de n'importe qui, en fait. Donc, tu dois toujours avoir un modèle par rapport à ce que toi, tu aimerais avoir comme résultat, ok? Ça peut être du sport, ça peut être une façon de parler, ça peut être n'importe quel domaine. Tu cherches la personne qui a le résultat que tu veux. Tu payes cette personne-là et cette personne-là va t'expliquer. J'ai donné l'exemple dans une vidéo d'un de mes coachs en marketing qui a généré plus de 100 millions de revenus. 100 millions, tu vois. C'est-à-dire, lui, faire 1 million, c'est un jeu d'enfant. Il va te dire, ok, pour faire 1 million, tu fais ça peut-être pas en claquant des doigts, mais pour lui, c'est très facile de faire 1 million parce que le million que, par exemple, moi, je cherche, il a fait 100 fois. Donc, le faire une fois, c'est très simple pour lui. Tu vois. Donc si je vais voir cette personne-là, je lui dis explique-moi comment faire 1 million. Si cette personne me demande même 50 000 $, je vais lui donner parce que j'aurai un profit de 950 000 derrière. Et il va me le montrer en très peu de temps. Il va me faire prendre des raccourcis. Il va me dire que voilà, moi j'ai fait cette erreur à l'époque, machin, fait comme ci, comme ça. Donc évite ça parce que ça va te faire gagner plus de temps. Parce que quand tu as une expérience, les erreurs que tu as faites, tu en prends conscience et tu peux dire à une autre personne que bon, si tu fais de cette manière-là, si tu évites les erreurs et si tu fais tel ajustement, tu pourras atteindre cet objectif-là beaucoup plus rapidement que moi je ne l'ai fait. Et c'est exactement ça qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne en immobilier. La 9e habitude que les personnes à succès ont, c'est le fait d'être reconnaissant. C'est-à-dire reconnaissant de tout, c'est-à-dire de la situation dans laquelle tu es. Parce que les gens, comme je t'ai dit, on a la particularité de se plaindre. Mais il faut être reconnaissant des fois, même de te lever et de respirer. Il y a des fois des personnes qui s'endorment et qui ne se lèvent pas le lendemain. Le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir rigoler, le fait de pouvoir même sentir, tu vois. Donc, le fait d'être reconnaissant, c'est très important. Et pour des petites choses, des fois des choses qu'on prend pour acquis, en fait. Le fait d'être reconnaissant, ça va te permettre de pouvoir même, des fois même, connecter avec plus de personnes. Des fois, juste le fait de dire merci, juste le fait de faire un sourire à quelqu'un, tu vois. Des fois, tu peux être dans un endroit, tu souris à quelqu'un, mais le fait que tu lui souris, ça change son état d'esprit et peut-être ça peut te créer une nouvelle opportunité. Donc, le fait d'être reconnaissant, tu dégages une certaine énergie positive, en fait, tu vois. Le fait d'être reconnaissant, ça te permet même des fois d'être plus humble vis-à-vis de certaines personnes et aussi de moins te plaindre face à des situations. Parce que peut-être tu peux être là, tu te dis que ok, peut-être j'ai pas les finances que je veux, mais par contre je suis en très bonne santé. Combien de personnes sont en bonne santé? Et le fait de reconnaître ça, ça va te calmer par rapport à tes finances et cette tranquillité d'esprit va te permettre de mieux réfléchir en vue de prendre des décisions qui vont te permettre d'améliorer tes finances. Et la 10e et dernière habitude que les personnes à succès ont, c'est le fait d'investir, tout simplement. C'est-à-dire, c'est le fait d'investir leur argent. Et aujourd'hui, quel que soit ton revenu, la première chose à faire, c'est l'épargne. Tu dois toujours mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que ce soit 10, 20, 30, 40, 50%. Moi, j'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué qu'à l'époque, je mettais même 70% de mon revenu de côté. Tu dois épargner et cette épargne-là, tu vas l'investir. Et cet investissement que tu vas faire va te permettre de te générer des revenus additionnels. Ça peut être un 10 euros, un 20 euros, un 50 euros. Moi, mon premier investissement me rapporte même toujours 80 euros par mois et ça permet de me payer le téléphone que tu vois. Les téléphones, je ne les paye jamais cash. C'est-à-dire, je vais toujours payer mon téléphone sur 12 mois, tu vois. Parce que je sais que j'ai une place de stationnement. Cette place de stationnement, donc c'est un investissement que j'ai fait. Je me suis dit, ok, j'ai acheté cet espace de stationnement-là et ça va payer tous mes téléphones jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez que même si je prends ce téléphone, je le casse, c'est pas grave. Je vais chez Apple, je prends le paiement en 12 fois. Et terminé. Donc, ça peut être même par exemple un restaurant. Tu te dis, ok, tu fais un investissement qui te rapporte, je sais pas, 10, 15, 20 euros tous les mois. Bah, tu peux te dire que bah, là, tous les mois, je vais aller au restaurant gratuitement. Tout simplement. Donc, le fait d'investir, c'est également très important. Et c'est là où je veux en venir. C'est que si aujourd'hui, tu cherches à investir, si tu cherches à développer des habitudes, parce que là, je t'ai partagé 10 habitudes, mais il y en a bien évidemment plusieurs, beaucoup plus. Si tu cherches à développer ces nouvelles habitudes-là, je t'invite à nous rejoindre lors d'un événement qu'on organise tous les mois. Tout le monde organise des événements concernant l'immobilier, la gestion des finances, etc. Tu as le lien juste en dessous, tu t'inscris et surtout, je t'invite à prendre l'option VIP parce que l'option VIP va te donner à beaucoup plus d'avantages. J'ai une vidéo de présentation d'à peu près une minute
de cette option VIP. Écoute-la bien et crois-moi que tu ne seras pas déçu. Moi, ce que je t'invite à faire également, c'est de tout simplement partager cette vidéo. Parce qu'également, le fait de partager, c'est une bonne habitude lorsque tu es un entrepreneur. C'est-à-dire que si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo, tu sais que ben, ça peut également impacter quelqu'un, partage cette vidéo à cette personne et je pense que ça l'aidera. Ça l'aidera tout en t'aidant également. Donc moi, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager, comme je te l'ai dit, à la liker, à la commenter et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.